Okay. Can you hear me now? Okay. Thank you. Built-in input. Built-in input. Enlever les accès audio, voilà. Je vais juste D'accord, on est sur le point de commencer. Je dois répondre à deux, trois petites alarmes. Ça sera pas long. Je suis avec vous dans une minute à peine pour le début.
D'accord. Alors, je m'excuse pour le contretemps. Je vais juste vérifier deux, trois autres petites choses. Je pense que tout va être correct. Parfait. OK. Donc, présentement, toutes les... OK. Okay. Donc, présentement, tous les accès audio ont été enlevés aux participants. Et je vais continuer à le faire. Donc, il y a juste un peu trop de personnes pour laisser cet accès-là ouvert. On peut commencer. Je vais donc, en espérant que tout fonctionne bien pour Madame Lee, quand elle aura son tour, je lui ai envoyé un courriel. On verra comment ça s'arrange, mais en fait, on pouvait l'entendre. Donc, on peut commencer maintenant. Je vais demander aux personnes, par exemple, je vais demander à Madame Lee, ça je dois le faire par courriel puisqu'elle ne m'entend pas, de fermer sa caméra. Une dernière petite vérification. Donc, désolé pour les petits problèmes techniques. Il y a eu aussi un problème avec l'envoi des accès. Je ne sais pas, le message est passé pour certains, il n'est pas passé pour d'autres, parce que c'était un message qui contenait probablement trop d'adresses courriel dans le même établissement. J'ai remarqué que les établissements avaient été bloqués. En tout cas, toujours est-il que bonjour et bienvenue à l'atelier de la CCP. On a payé par y arriver. J'aimerais rappeler que l'atelier est enregistré, de même que l'interprétation. Également, j'entends encore du bruit. Je m'excuse, je dois le fermer. Compte tenu du grand nombre de participants et de participantes, toutes les interventions directes doivent être faites par l'outil de clavardage et non pas par l'audio. J'aimerais aussi remercier notre commanditaire SVIE Solutions pour nous permettre d'utiliser leur outil de webconférence. Et je vais demander à toutes les personnes qui se joignent à nous de fermer leur audio s'ils n'ont encore accès. Alors, cette huitième série d'ateliers porte sur le thème outils développement d'outils et conception pédagogique. Le développement de projets, de programmes, de formation requiert des outils technologiques, mais avant tout, des outils d'apprentissage. Cette année, la CCP vous propose d'explorer nos boîtes à outils en posant un regard sur elles avant, pendant et après la phase de développement. D'une durée d'environ 15 minutes chacune, les présentations vont être suivies d'une période de questions de plus ou moins 30 minutes. On est à quelques minutes près. Alors d'abord, Monsieur Olivier Alfieri abordera le thème du concepteur pédagogique ou concepteur pédagogique digital à propos d'une mutation en cours. Après une période de questions d'environ 30 minutes, Madame Lee présentera le deuxième thème, conception pédagogique centrée sur l'apprenant. Monsieur Alfieri est candidat au doctorat à la faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa, chargé de cours à l'Université de Hearst et fondateur de Digital Impulse Consulting Strategies and Services. Olivier Alfieri aide les organismes en éducation et formation, les entreprises et les administrations à réaliser leur transformation numérique. Avec plus de 10 ans d'expérience en éducation et en formation, il a dirigé et coordonné la mise en œuvre de programmes et de ressources d'éducation en ligne. Son profil professionnel hybride combine deux domaines d'expertise, l'ingénierie pédagogique axée sur le leadership participatif
et les technologies multimédia de la conception à la production. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à M. Alvion. Bonjour tout le monde, je vais juste refaire un test de seconde, Carole, pour être sûr que tout est bon. Tout est parfait. Et donc, juste pour la gestion du temps, j'ai plus ou moins 15 minutes, si je m'abuse, 15-20 minutes. C'est à peu près ça, oui. On dépend à quelques minutes près, mais... Parfait. Bon, ça va, je vais respecter ça. Ok, ben bonjour tout le monde. Je suis vraiment très heureux d'être présent ce midi, puis que vous preniez votre temps de lunch pour réfléchir un petit peu à la question de l'évolution du métier de concepteur pédagogique. Et puis je vais faire des petits clins d'œil particuliers aux personnes que je connais. Donc un grand bonjour à la Sofade, un grand bonjour à Judith, que j'ai vu aussi s'inscrire, puis en tout cas à Marcel, puis un grand bonjour à tout le monde, à Yves aussi, et à tous ceux que je ne connais pas, mais je serais très, très heureux de rencontrer ici ou ailleurs, en numérique ou en physique, selon les endroits où on se retrouve sur des salons. Alors sans plus tarder, je me lance. Et puis je vais essayer de ne pas parler trop vite pour permettre à la traduction d'y aller. Alors, je reviens juste au début. Bon, donc la présentation vous a été faite. Donc j'ai eu la chance de travailler dans divers organismes, que ce soit en Europe ou au Canada depuis 7 ans. Et c'est sûr que j'affectionne particulièrement la conception pédagogique, la conception de ressources pédagogiques numériques, mais aussi de formation en ligne, tout ce qui concerne vraiment l'apprentissage à distance, mais qui peut prendre vraiment différentes formes, des formes plus universitaires lorsqu'on est dans des cours, ou des formes aussi plus andragogiques dans des développements de modules de formation, autant dans le privé que dans le public. Et donc ma réflexion se base un petit peu sur tout ça. Comme j'ai 20 minutes, je vais avancer un petit peu dans le propos, mais j'aurais aimé, si j'avais dans le chat, pendant que j'avance, que vous me dites si vous êtes concepteur pédagogique, si vous travaillez dans le privé, si vous travaillez dans le public, si vous êtes travailleur autonome. Alors pour les personnes qui seraient confortables de le dire, n'hésitez pas à marquer dans le clavardage un petit peu votre expertise, où vous êtes, et enfin, si vous êtes à l'aise avec ça. Alors, on y va. Donc là, vous avez vu ça, c'est moi. Tout d'abord, un premier acronyme, et puis en fait, s'il y a un U, c'est parce qu'en fait, c'est en anglais, puis je l'ai traduit en français, donc c'est VUCA. En anglais, puis c'est VICA en français. L'idée derrière cet acronyme un petit peu barbare, c'est de dire qu'aujourd'hui, le monde est vraiment en mutation, donc il est très incertain. Donc c'est-à-dire que si on adapte directement dans le métier du concepteur pédagogique, mais il y a beaucoup d'évolutions qui se passent, il y a beaucoup de situations qui vont être différentes. Aujourd'hui, un concepteur pédagogique, avec l'arrivée du digital, va être amené à devoir se mouvoir dans des situations qui peuvent être totalement différentes. Et dès lors, il y a la certaine certitude qu'on pouvait avoir avant, qu'on faisait nos scénarios pédagogiques, objectifs d'apprentissage, quels sont les acquis, les résultats visés, les pensées visibles, aujourd'hui vont être pas mal bousculés en fonction de l'arrivée du digital. Notre monde en conception pédagogique est très volatile, puisqu'il y a beaucoup de nouvelles aussi technologies qui arrivent et qui font que ça bouge beaucoup. Et on a quand même une forme d'instabilité lorsqu'on produit de la ressource pédagogique en ligne. C'est ambigu, parce qu'il y a quand même pas mal d'éléments aussi qui vont créer parfois de la confusion. Et on doit prendre des décisions, on n'est pas toujours sûr de prendre les bonnes décisions. Il y a des zones de risque quand on fait de la conception aussi. On doit tenir compte de beaucoup de facteurs, on va les voir après. Puis c'est un monde assez complexe. Donc je trouvais que cet acronyme-là qui décrit une situation pour tous les métiers, se prêtait vraiment bien aussi au métier de concepteur pédagogique qui, à travers les années, évolue et de manière assez importante et bouscule un petit peu les compétences initiales. Alors ça, c'est un petit peu l'introduction pour laquelle je voulais réfléchir à ça. En ressources humaines, il parle en anglais du teacher ou de la formanter. Donc au départ, si vous voulez, le I, donc là, on est vraiment expert dans une catégorie, donc scénarisation, définition des objectifs pédagogiques, compétences visées, résultats d'apprentissage, et puis scénarisation, imaginons. Mais puis on se rend compte que de plus en plus, on a besoin d'avoir des compétences qui sont transversales, qui est ici la barre du milieu. Et puis là, c'est-à-dire qu'on est expert dans un domaine de compétences, mais on se rend compte qu'on doit de plus en plus aussi être capable de faire des autres tâches, hein, dans les,
le fameux divers dans les offres d'emploi. Et ces autres tâches peuvent de plus en plus prendre pas mal d'importance, en particulier dans le poste de concepteur pédagogique, ce qui amène au fameux T qui est ici, c'est-à-dire qu'en fait, on va, dans le rôle de concepteur pédagogique, on va devoir au minimum avoir au moins une expertise très précise, très avancée, mais on devrait être capable aussi d'avoir une expertise peut-être moins profonde, mais néanmoins présente dans d'autres domaines qui peut-être au départ n'appartenaient pas à notre compréhension de ce que c'est un concepteur pédagogique aujourd'hui. Et bon, c'est sujet à réflexion, hein. Ce que je vous dis là, ce n'est pas un dogme, ce n'est pas la vérité absolue, c'est juste une réflexion que moi je me donne et que je vis, et puis je vous la soumets comme ça, peut-être ça pourra aussi vous amener à réfléchir à vos propres réalités dans vos propres métiers, puis je vois les postes qui continuent à arriver, donc je pourrais regarder un petit peu. Alors, pour commencer un petit peu cette vidéo, parce qu'elle va durer 2 minutes, je vais juste vous demander de la regarder. C'est une vidéo qui va vous faire réfléchir sur le sujet. Alors, je vais vous mettre le lien. Dans un instant, il apparaît à l'écran. Donc, si vous cliquez sur Access, vous allez voir cette vidéo qui dure 2 minutes. Donc, je vous invite tous dès maintenant à cliquer dessus pour nous permettre d'introduire encore mieux la discussion. C'est parti. Olivier, je ne sais pas ce qui s'est passé. En tant qu'à moi, l'enregistrement vient de se terminer. Je ne sais pas pourquoi. L'enregistrement de quoi? La petite vidéo, en somme. Tu dis la vidéo que j'ai, le lien vidéo? Oui. Okay. Je pense que le son, c'est dans le clavardage. Sylvain Macares a crevé l'écran. La vidéo est fermée. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, si jamais je vous. On va avancer parce qu'on a, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais vous donner un petit peu les idées générales de la vidéo. Et puis après, bon, vous pourrez la regarder, ça fait que 2 minutes 30. Donc l'idée, c'est Sylvain Vacarès, qui est en fait un des responsables d'un master en France qui s'appelle le master MFEG, mais qui a aussi créé un certificat que vous voyez devant vous, qui s'appelle le Digital Learning Designer, parle de cette injonction à l'innovation. On doit innover, et on doit innover parce que justement, il est arrivé des nouvelles technologies. Et l'innovation n'est pas tant au niveau d'utiliser les outils, mais aussi au niveau de la scénarisation dans l'usage des outils. Et donc cette vidéo, c'est un petit peu pour introduire cette question de la mutation du métier que je vous amène aujourd'hui. N'hésitez pas à aller la regarder après. Donc pour vous donner une idée, le profil de compétences qu'on pourrait croire aujourd'hui pour un concepteur pédagogique digital, et ce que j'ai fait pour condenser tout ça, c'est que j'ai regardé les offres d'emploi au Canada, dans des secteurs de formation, dans des boîtes privées,
comme Helicom pour ceux qui les connaissent, ou des filières de formation plutôt comme Agenda, AFI, mais aussi dans d'autres endroits, la Croix-Rouge. J'ai compilé quand même pas mal, une quinzaine d'offres d'emploi, juste pour m'assurer que je ne disais pas des bêtises, et puis que dans le monde privé, mais aussi dans le monde... Je n'ai plus de son. Est-ce que tout le monde a encore du son? Je vois que Karine n'a plus de son. Je ne sais pas si on peut... Carole, si tout le monde m'entend bien. Non, Carole, ici, si tout le monde m'entend ça va bien. Très bien, il n'y a pas de problème. Ok, parfait, super, ok. Et du coup, devant vous, l'idée que je vais aborder rapidement, c'est de dire, ok, on a la conception pédagogique que vous voyez en haut à gauche, mais après, il y a tout un ensemble d'autres compétences. Le design graphique, le marketing, l'expérience utilisateur, les technologies, l'intégration multimédia, la gestion, le budget et l'agilité que je voudrais rapidement aborder avec vous. En termes de premières compétences, ici, on va parler de la conception pédagogique. Qu'est-ce qui va se passer? C'est en fait, on a des scénarios d'apprentissage, vous le faites tous, sauf qu'ils vont être pas mal bousculés par l'arrivée du digital au niveau de la formation. On a les approches qui s'appellent ATAWAD, c'est-à-dire Anytime, Anyway, donc c'est en anglais, donc c'est n'importe où, n'importe quand et à n'importe quel endroit. Dans nos scénarios, comment est-ce qu'ils vont intégrer ça? Il y a un autre terme qui vient rechercher cette idée-là qui s'appelle le nomad learning. Je me lève le matin, je commence mon scénario sur mon ordinateur, puis après j'ai sur ma tablette, puis je vais dans le bus, je continue sur mon téléphone, puis j'arrive au travail. Quand j'ai un petit moment, je continue sur mon ordinateur du travail. Donc on a cette idée de la multiplicité des outils qui arrive et nos scénarios qui doivent s'adapter aussi à cette consommation des apprentissages qui se font de manière un petit peu éclatée, alors qu'au départ, on avait peut-être un apprentissage qui était à un endroit, sur un poste, à un moment donné. Et c'est sans encore amener les questions de la réalité virtuelle qu'on va aborder après. Donc, en termes de conception pédagogique, qui est le cœur métier, on remarque aussi qu'il y a vraiment des évolutions qui sont liées au scénario, et les scénarios eux-mêmes sont influencés par le digital. Vous voyez aussi la ludification, mais tout cet, on en parle beaucoup hein, depuis plusieurs années, mais ce n'est pas si évident que ça à implémenter. À part l'idée de mettre des badges qui sont en fait finalement juste une ligne de complétion. Mais si on dépasse simplement l'idée de le suivi de complétion par des badges, tous les mécanismes qu'il y aurait derrière, les indices, l'engagement, les points, comment est-ce qu'on peut rendre ça pertinent d'un point de vue scénario, c'est souvent là qu'on a parfois des difficultés. En termes de design graphique, aujourd'hui, le concepteur pédagogique peut être amené à devoir modifier, avoir une certaine connaissance. Des tendances graphiques. Les plus importantes aujourd'hui sont celles de Google avec le Material Design, celles de Microsoft aussi qui avait avec le Flat Design et le Metro UI, qui sont juste des approches graphiques très visuelles, très avec des couleurs très contrastées. Il y a des outils, en anglais on appelle ça les wireframes ou les fils de fer, qui font qu'aujourd'hui un concepteur pédagogique, quand il fait son scénario, son storyboard, se retrouve aussi finalement à dessiner des écrans. Il y a toujours la question de l'ergonomie cognitive, de la surcharge cognitive à l'écran, comment est-ce qu'on tient compte en termes d'apprentissage, de la charge cognitive, mais aussi en tenant compte qu'on la consomme à travers un écran. Évidemment, on est sur plusieurs plateformes, alors du coup, il y a tout le côté digital, adaptatif et fluide qui arrive avec ça. Du coup, il y a quelques compétences aussi en design graphique qui vont être requises là par le monde du travail et pour les concepteurs pédagogiques. Il y a aussi le digital marketing, évidemment, on a tout un côté social, les apprentissages informels, le social learning en anglais, mais aussi les médias sociaux, tout ce qu'on appelle le rich media, donc tout l'impact des vidéos, mais aussi de tous les types d'interactions qu'on peut faire avec les médias, vidéos interactives. Donc on a aussi l'idée des newsletters qui peuvent devenir à un moment donné des infolettres pédagogiques pour tout ce qu'on appelle le micro-learning. Donc tout ce storytelling-là en marketing, mais il nous touche aussi. Et quand on se retrouve parfois à travailler avec des différents organismes, on se rend compte que finalement l'histoire est importante aussi et qu'on doit tenir compte des médias aussi sociaux et de la culture apprenante au sein de l'entreprise. Et ça passe fondamentalement par des notions de marketing à ce niveau-là. Il y a une autre notion qui est très importante, on parle beaucoup d'expérience, on entend les mots learning, expérientiel, designer, enfin le mot expérience est un peu utilisé à toutes les sauces, mais qui dit ok, quelle expérience on propose à nos apprenants à travers la conception pédagogique que nous réalisons, comment est-ce qu'on la promeut, comment est-ce qu'on les embarque, puis comment est-ce qu'on va leur faire vivre une expérience, comment est-ce qu'on apprend à les connaître. Puis là, il y a des outils comme les cartes d'empathie, le Customer Journey, qui est en fait une manière de penser à toutes les étapes que l'apprenant va faire. Donc, ce sont toutes des,
Ça vient de la psychologie au départ, hein, surtout des pratiques, des outils de la psychologie, mais en numérique, en digital, mais qui nous touche, nous aussi, évidemment, en tant que concepteur pédagogique. Alors, ensuite, évidemment, la technologie, bon, vous entendez beaucoup, mais c'est des mots peut-être qui vont vous dire XAPI, SCORM, LMS, LRS, SSO. Donc, ce sont tous des mots qui paraissent un peu barbares, mais qui nous touchent en termes de conception aussi, puisque nos produits vont atterrir quelque part dans des plateformes. La remontée des données, peut-être qu'on peut l'avoir. S'il y a une partie qui se fait en ligne, une partie qui se fait hors ligne, on va vouloir traquer les données différemment. C'est là que le XAPI et le Learning Record Storage qui va arriver. Le SCORM, je suppose que pour la plupart, vous le connaissez. Le SSO, quand il y a plusieurs plateformes, on voudrait que les gens ne se connectent pas 10 fois, donc on voudrait arriver à faire des ponts transparents. Puis évidemment, la réalité virtuelle qui... Je vois encore des posts sur LinkedIn qui nous dit « Je cherche un concepteur pédagogique pour la réalité virtuelle uniquement. Est-ce que ça existe seulement ?» Donc, en tout cas, notre métier est bousculé par tout ça. Les learning, évidemment, par l'intelligence artificielle aussi. Et on n'est qu'au début de cette idée-là. On a aussi, évidemment, cette idée que le concepteur pédagogique aussi, c'est un intégrateur. Alors, ce n'est pas un intégrateur officiellement, mais parfois, on lui demande, on se retrouve selon les équipes, la taille des équipes et les contextes, à devoir nous-mêmes faire de l'intégration. On va nous-mêmes utiliser des outils auteurs. Peut-être qu'on va connaître un tout petit peu d'HTML. On va copier des bouts de code à gauche, à droite pour dire « Bonjour Olivier » pour personnaliser l'accueil lorsqu'on fait des modules de formation. Donc tout ça, ça nous demande d'avoir des connaissances techniques aussi et d'intégration multimédia dans un certain contexte. Il y a évidemment de la gestion, parce qu'un concepteur, on va lui demander combien de temps ça va prendre, comment ça va se passer. Puis c'est toujours, on est toujours dans la dictature de l'urgence, c'est pour demain, puis on est souvent dans des contextes entre un expert de matière, puis une équipe de production, donc on est comme un joueur pivot au basket, et puis on doit distribuer les ballons, donc souvent on nous demande des questions en tant que concepteur pédagogique qui sont de l'ordre de la gestion du temps, voire même du suivi d'exécution des équipes dépendants, et en même temps, et toute cette logique des dépendances entre les tâches, que beaucoup de gens sont dépendants de nous, puis nous-mêmes sommes dépendants des autres. Alors, un concepteur pédagogique aujourd'hui se doit probablement aussi d'avoir quelques compétences de gestion de temps pour faire face à ces nouvelles réalités-là. Enfin, on a des notions de budget, puis c'est lié au point précédent. Dans mon expérience, on demande souvent à un concepteur pédagogique aussi de savoir combien ça va coûter. Puis au départ, un concepteur pédagogique n'est pas spécialement... quelqu'un qui va faire de la planification budgétaire ou de la prévision de risque. Donc on a un chargé de projet qui est là pour ça, mais souvent le chargé de projet n'est pas toujours connaissant des réalités de la conception pédagogique non plus, donc c'est un travail d'équipe. Et du coup, le concepteur, le chargé de projet, puis le développeur, enfin l'équipe s'amène à devoir elle-même finalement évaluer des coûts. Et on s'entend que la conception est pas mal importante, puisque c'est elle qui pense l'architecture de la formation, celle qui va avoir un rôle important. Et si on demande à un concepteur de respecter un budget, un calendrier, des échéances de temps, ça sous-entend qu'il est capable d'estimer lui-même le temps que ça lui prendra et d'avoir des idées au niveau de l'achat de ressources qui peut-être l'aider, d'avoir une idée des fameux coûts cachés. On pensait que ça prendrait autant de temps, mais finalement, ça prend plus de temps, donc ça coûte plus cher. Donc ça, ce sont des compétences budgétaires qu'on demande aussi d'avoir au concepteur pédagogique. Alors, l'agilité, vous entendez sûrement beaucoup. On parle de rapidité, il y a un terme qui s'appelle Rapid Agile Instructional Design. Donc, c'est cette idée que on va très vite faire un petit bout, un petit prototype, et puis on va essayer de le montrer. On va utiliser des techniques de créativité pour faire émerger le besoin de manière plus précise avec le client, pour éviter de partir en conception, puis de se retromper, puis de recommencer, ou de l'envoyer en production, puis de revenir en conception, puis de vivre ce que peut-être parmi vous, beaucoup de gens ont déjà vécu, des allers-retours qui finalement sont épuisants et puis qui sont vraiment très chers au niveau de la responsabilité. Donc ça veut dire qu'on doit travailler en collaboration, c'est-à-dire qu'il y a de la méthodologie, comme SAM, qui s'appelle le Successive Approximative Model, qui nous permet d'avoir des outils pour travailler en équipe, évidemment, et toutes les méthodologies agiles qui existent. Et l'action mapping aussi de Cathy Moore, on va y revenir après. Donc ce sont toutes des nouvelles manières de travailler en équipe avec des nouveaux outils qui touchent la conception pédagogique pour éviter justement les écueils des mauvaises compréhensions et des réalités. Alors, une fois qu'on a dit ça, puis je me dépêche, les 25, je vais terminer là-dessus, c'est comment est-ce qu'on devient une personne comme ça? Parce que c'est bien beau de dire
qui soit le concepteur pédagogique digital, mais c'est pas, il n'y a pas de pensée magique, ça n'existe pas. Alors, ce que je vous propose juste comme réflexion, c'est d'une part, c'est d'identifier vos lacunes, dire, OK, où est-ce que je suis vraiment un expert, où est-ce que je suis pas mal expérimenté, où est-ce que j'ai des compréhensions de base, où est-ce que je suis en apprentissage, et où est-ce que j'ai rien du tout, pour chacune des compétences qu'on vient de citer, et en fonction de vos réalités et des besoins. Une fois que vous avez identifié ça, en termes de ressources humaines, pour amener cette personne en T, ce qu'on propose, c'est de faire de la formation croisée, et de ne pas faire de la formation en silo. Puisqu'on essaye de mener dorénavant que les personnes ne travaillent plus en silo, que les personnes travaillent de manière complémentaire au sein d'une équipe, mais ce n'est pas parce que je suis concepteur que je ne vais pas faire un peu d'intégration, ou que je ne vais pas aider le chargé de projet pour son cahier des charges, ou que peut-être je vais aider au niveau du budget. Donc ça ne veut pas dire que je suis le chargé de projet, mais ça veut dire que je vais aussi, selon les moments, quand il y a des crunchs, quand il y a un goulot, ce qu'on appelle un goulot d'étranglement, je vais aller aider dans les autres compétences qui ne sont pas ma compétence de base, mais pour lesquelles j'ai quand même une certaine notion, dépendant de là où vous vous situez. Donc là, vous regardez un petit peu les compétences que vous pensez que vous avez besoin en fonction de vos réalités, et puis vous essayez de vous dire, OK, où est-ce que je me retrouve par rapport aux cinq notions. Et à ce moment-là, je vous propose de créer votre propre plan de formation, parce qu'on a une société aujourd'hui qui fait ça. Puis il y a trois outils qui sont assez complets. LinkedIn Learning, que probablement vous connaissez, il y a beaucoup, beaucoup de contenu, que ce soit au niveau de la conception pédagogique agile, que ce soit au niveau de certains outils. Udemy, qui est un des plus connus. Moi, je l'ai pas mal utilisé, que ce soit pour des outils auteurs, ou que ce soit pour d'autres outils, qui sont quand même toujours assez abordables en termes de coûts. Et au niveau de l'expérience utilisateur, il y a la fondation qui s'appelle Interaction Design Foundation, qui est aussi autour d'une centaine de dollars par an. Et rien que ces trois outils-là, si vous arrivez à vous les programmer sur un an, sur 2 ans, et vous montez en compétences dans chacun des domaines, et je vous invite de les faire croiser, c'est-à-dire de ne pas en faire une uniquement sur le design et puis une sur l'expérience, de faire deux petites formations en même temps pour vous habituer à faire des liens entre les domaines de compétences et pour devenir soi-même un généraliste des autres compétences et un expert dans une ou deux vraiment grosses compétences. Parmi les gens que vous retrouvez à votre droite, ce sont des mentors que je n'ai jamais rencontrés de ma vie, mais que je suis depuis des années. Melissa Mulloway, qui est une conceptrice pédagogique, on va dire digitale, mais elle s'appelle différemment maintenant, elle est devenue manager chez Amazon. Elle tient des blogs, elle publie beaucoup sur plein d'expériences qu'elle fait qui sont vraiment intéressantes. Cathy Moore, qui est vraiment au niveau de la scénarisation pédagogique, vraiment branchement de scénario, simulation. Sa grande phrase, c'est « Avoid the next button ». Donc, on s'entend qu'elle n'est pas orientée sur le contenu et l'information, mais vraiment sur l'action, avec son modèle d'action mapping qui vous permettra vraiment de repenser votre manière de scénariser. Et Michael Allen, qui est vraiment sur design thinking, l'agilité, la méthode SAM. Et ces trois-là proposent des formations, enfin les deux derniers du moins. Et puis Mélissa, bon, c'est juste de suivre ses conférences, ses articles, ses vidéos, et vous apprendrez par vous-même. Donc, si jamais, et je terminerai là-dessus, ah oui, et un autre point qui est important, c'est qu'il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qui nous permettent d'accélérer notre production. Donc, Envato Market, c'est un site, si vous ne l'utilisez pas, ben, je vous invite vraiment à l'utiliser. Beaucoup d'outils de graphisme qu'on peut acheter, très intéressants, qui vont vraiment accélérer la production. Faster Course, qui est vraiment parmi les vendeurs de templates, pour les outils les plus connus, qui est vraiment de très bonne qualité, qui permet d'accélérer aussi la production. E-Learning Locker est intéressant dans la mesure où il apporte pas uniquement des templates, mais des petits bouts d'animation qui permettent de s'intégrer dans les outils auteurs, qui vous donnent quand même une certaine expérience plus intéressante. Au niveau des vidéos d'animation, il y en a plein. Moi, j'utilise Sparkle. Ça ne me demande pas d'être un pro en animation, mais ça, à mon niveau, ça me permet de faire des belles petites vidéos d'animation tableau blanc. GIMP, si vous n'avez pas de suite Creative Cloud, ça coûte cher et tout ça, ben GIMP est un outil gratuit un peu moins fort que Photoshop, mais qui vous permet déjà de faire beaucoup de choses avec des tutoriels en français. Et évidemment, bon, il y en a d'autres que celui-là, mais Articulate, la suite 360 qui est, à mon avis, quand même un incontournable aujourd'hui pour un concepteur pédagogique. Alors, si jamais vous cherchez une formation plus complète, je suis occupé avec mon ancien responsable de master à penser à créer une formation sur le Digital Learning Manager qui existe déjà en France. Et m'occuper à normalement, d'ici quelques mois, à essayer de l'amener au Canada avec un centre de formation. Donc, si jamais vous êtes intéressé, ben, n'hésitez pas aussi à poser des questions. Mais il y a des formations aussi qu'on peut suivre à distance en France ou dans d'autres pays qui sont existantes. Voilà, j'ai été un peu vite, il est 30. J'essaie de faire ça pas trop.
J'avais beaucoup de choses à dire en peu de temps. Donc j'espère que ça vous aura en tout cas fait réfléchir. L'idée, c'est plus de vous donner des petites graines et de vous laisser réfléchir avec ça sur votre propre métier, puis de trouver surtout des outils et des solutions concrètes pour faire évoluer et devenir un concepteur pédagogique digital en T. Grosso modo, c'est ça l'idée. Voilà, Carole. J'espère que je peux être trop rapide pour la traduction. Parfait, ben merci beaucoup. On va attendre un petit peu, c'est quelques temps aux personnes de faire leur intervention. Vous pouvez écrire des commentaires, des questions dans l'outil de clavardage. Et on va tout simplement partir de là. peut-être que je te demanderai. Ah, moi voici Annie qui demande, existe-t-il des outils pour nous aider à estimer le temps de conception d'un projet de formation? Ça, c'est sûr que c'est plus dur. Ça, c'est sûr que les projets peuvent être, sont différents les uns des autres. Ce que j'ai fait, c'est pas un outil, mais ce que j'ai fait, par exemple, par rapport à des outils auteurs, imaginons, parce qu'on parle beaucoup d'écran, qu'on parle de temps de consommation. Donc, pour un des projets que j'avais estimé il y a très récemment, la personne venait en disant, ben, moi, je veux un produit qui va durer une heure d'apprentissage en ligne. Mais une heure, ça me dit quoi? Ça me dit rien, moi, une heure. Alors, du coup, j'essaie de transformer ça en écran et de me dire, OK, combien de temps les personnes vont prendre sur une activité sur un écran, combien de temps moi je vais mettre à produire l'écran, est-ce que je vais mettre de la narration, est-ce que je vais beaucoup d'interactivité ou peu d'interactivité. Et l'outil qui m'a aidé, ça s'appelle Chapman. Il définit 4 niveaux. Il ne vous dit pas combien ça coûte, mais il définit 4 niveaux. Je le marque dans le chat. Chapman. J'essaierai de trouver le lien pendant qu'on se parle. Et donc, il définit 4 niveaux d'interactivité quand on fait de la production de formation en ligne. Et selon le niveau d'interactivité, à ce moment-là, vous pouvez essayer d'associer un écran. Alors, du coup, ça me fait un ratio pour lequel je suis plus ou moins conscient. Puis le client, lui, ben, il se trompe pas, c'est assez précis. Donc, je dis, voilà, un écran, c'est entre plus ou moins 200 et 500 mots maximum. Et puis, à ce moment-là, il y a le son, puis il y a le nombre d'interactivité, les conditions, si on met des conditions, si on utilise des variables et tout ça, donc ça va apporter du temps. Et à ce moment-là, j'ai défini un nombre d'heures par écran, puis le nombre d'écrans, puis là, je donne ça au client en disant, ben, peu importe le nombre que tu auras, ça va être ça fois le nombre d'écrans. Donc généralement, c'est comme ça. Je ne connaissais pas l'outil de Tony Bates, mais aussi, il faut vous dire que ça évolue tellement vite, hein, parce qu'il y a des outils qui automatisent. Donc, si je prends la suite Articulate Storyline, si vous utilisez Rise, vous allez utiliser beaucoup moins de temps, parce qu'il y a beaucoup moins de choix, que si vous avez utilisé Storyline, où là, bon, dépendant du niveau de votre niveau d'expertise et du niveau de complexité, ça peut prendre beaucoup de temps. Si je vais avec les variables, les conditions, les états, et qu'en plus, je vais faire des appels JavaScript derrière pour vraiment aller chercher des choses un peu fun. Alors du coup, ça va dépendre aussi. Si vous faites du montage vidéo, ça va dépendre aussi de ce que je mets de l'interactivité ou pas d'interactivité. Donc, ce serait de bien vous connaître vous-même dans ce que vous faites pour un produit. Prenez un produit dont vous êtes fier et que vous dites ça m'a pris autant de temps. Puis vous décrivez tout le produit. Puis quand vous allez chez une personne, vous dites ben, ça se fait en autant de temps. Et alors, du coup, ça vous donne. Parce que ça aussi, ça dépend de la vitesse de tout un chacun. On ne travaille pas tous à la même vitesse. Alors, du coup, ça aussi, ça peut engendrer des différences au niveau d'évaluation. Y a-t-il des aspects à prioriser dans une équipe de conception, selon toi, pour repérer un virage vers le numérique? Je pense que au départ, c'est l'accompagnement, c'est la formation. Il n'y a que ça qui existe. Là, c'est de faire des veilles avec son équipe, d'essayer de les amener à s'ouvrir, à s'intéresser, donc à créer vraiment de la motivation personnelle vers le produit, à faire prendre conscience que ça évolue. Je pense que ça, c'est la première difficulté qu'on pourrait avoir, c'est le changement, c'est de se dire, OK, tout ce que je viens de dire, si on dit ça à un concepteur pédagogique, on vient de dire un peu plus traditionnel, il fait une syncope et puis il fait un arrêt cardiaque, là, parce que là, faire du marketing, faire de la gestion, faire du budget, faire de l'intégration multimédia, faire du design, faire de l'expérientiel, là, on tape une tête. Donc, on a un métier qui est quand même, je trouve, pas évident en tant que concepteur pédagogique, qui évolue beaucoup, qui touche à beaucoup de domaines. Alors, je pense que, un, c'est faire prendre conscience de ça. Deux, c'est de se relaxer en disant, regarde, on y va step by step. Chaque année, on fait un petit plan de formation pour soi-même.
Les outils ne sont pas toujours si chers que ça en termes de formation, c'est plus l'investissement du temps, qui est bon, qui est pas toujours celui du temps de travail, donc c'est ça aussi qu'il faut voir. Est-ce que je suis prêt à investir un peu de temps personnel pour me mettre à jour dans mes compétences métiers et pour devenir un expert dans un domaine, mais un généraliste dans d'autres domaines, ce qui me permet d'être plus flexible dans les projets. Ça, ce serait probablement la première étape, là, Marcel. Avait aussi Emmanuel qui avait demandé comment appliques-tu les méthodes agile dans ta pratique? Comment amènes-tu les gens à y collaborer également? Une des manières dont j'avais fait dans le passé, puis c'était de le faire sans le dire quand vous travaillez avec une équipe, parce que parfois les mots font peur. Mais la grande idée, puis il y a un monsieur en France là, qui s'appelle Philippe Lacroix, qui travaille aussi beaucoup, fait beaucoup de conférences. Ils ont créé le Digital Learning Academy, tout ça. Mais en gros, au départ, ce qu'il disait, c'était que l'analyse des besoins, généralement, bon, ça prend un bout de temps. Et puis après, on a l'expert de matière, parce que le concepteur pédagogique pourrait devenir un expert de matière, mais généralement, il a un expert de matière avec qui il va travailler. Ce n'est pas toujours évident sur justement les modalités, quels sont les outils, quels sont les formats, quels sont les médias qu'on va utiliser, comment est-ce qu'on va essayer de transmettre, de développer les connaissances, les compétences, les savoir-faire. Ça dépend ce qu'on vise, évidemment. Donc, il va amener tout ce côté ingénierie-là de réflexion au niveau de l'apprentissage, qui est quand même le cœur au départ du concepteur pédagogique, sauf qu'il doit tenir compte aujourd'hui de toutes les potentialités, et puis des écueils, et puis des pièges aussi que ça peut engendrer du digital. Alors l'idée par rapport à l'agilité, c'est qu'en fait, ça nous permet d'accélérer rapidement des éléments pour se rapprocher au plus vite d'un produit final et pour éviter de passer trop de temps uniquement en conception. Puis là, j'ai un storyboard. Dépendant si c'est une formation d'une heure ou si c'est une formation de 100 heures qui devient énorme. Puis là, on va passer en production, puis là, on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Puis tout le temps de conception a déjà été consommé. Puis voilà. Donc là, on est occupé à gruger tous les budgets. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on va commencer avec des sessions de remue-ménage, qu'on va appeler design thinking. Mais si on n'a pas envie d'alourdir les mots ou si ça fait peur, on va mettre tout le monde en place, les développeurs, les clients, tout le monde. Et puis on va avec eux essayer de réfléchir à vraiment c'est quoi la vision, le besoin de l'utilisateur final, et puis c'est quoi les contraintes, et c'est quoi les budgets, tout ça. Et puis très vite, on va essayer de faire un prototype. Puis là, j'invente rien, hein, c'est présent depuis 5 ou 10 ans, mais reste qu'aujourd'hui, ça demeure crucial. On va très vite faire un prototype pour dire, OK, est-ce que c'est ça que tu veux? Est-ce que ça fonctionne? Oui, on peut le tester si on a le temps de le tester. Et une fois qu'on a fait ce prototype-là, boum, on repart en production, on a une première itération. Donc l'idée, c'est de tomber très vite en prototypage production pour une petite partie, pour aller valider des processus, pour aller valider des besoins, des attentes, et à partir de là, de partir un peu plus frais, après en mode production, mais d'arriver au départ à définir ça. Puis si ça change en cours de route, c'est ça le problème, c'est que ça change en cours de route, c'est d'utiliser des outils qui vont nous permettre d'éviter les dépendances. C'est-à-dire qu'au départ, si chaque fois que je dois faire un changement, j'appelle un développeur, je fais un document Word avec des captures d'écran, je lui envoie, ben c'est sûr que ça va alourdir le processus. Est-ce que dans une certaine mesure, je peux faire les changements moi-même? Là, vous arrivez dans la barre horizontale du T. Donc ça, c'est toutes des formes d'agilité, d'utiliser des outils qui vont automatiser, des techniques qui vont accélérer, et puis de faire beaucoup de collaboration et des réunions hebdomadaires pour s'assurer qu'on est toujours en lien avec la vision initiale du projet, qui souvent, on s'en éloigne au fur et à mesure par la force des choses. Oui, c'est bien ce site-là, Chapman Alliance, et dedans, vous allez voir qu'il y a un PowerPoint qui va vous expliquer comment est-ce qu'on évalue financièrement le coût là d'une formation, puis il donne vraiment des outils que j'ai trouvé très intéressants pour éduquer un client ou pour éduquer des collègues au niveau de un niveau 1, je te fais un niveau 2, je te fais un niveau 3, je te fais un niveau 4, et puis ça coûte plus cher. Et puis je te montre c'est quoi un niveau 1, un niveau 2, un niveau 3, un niveau 4. Et puis je te dis combien de mots il y a, combien de sons il y a, puis là on arrive avec des paramètres qui sont plus contrôlables et qui permettent peut-être de moins se perdre en. Après, dans les problèmes qui peuvent arriver. Pour vous donner un autre exemple qui avait initié ma réflexion, si jamais. Puis il faut m'arrêter, Carole, quand mon temps est imparti. J'ai travaillé avec un client, je ne dirais pas le nom, mais avec une grosse banque, on va dire, assez récemment. Et puis l'idée, c'est qu'ils avaient 2000 informaticiens qui devaient se former à ce qu'ils appellent la culture DevOps, donc c'est développement et opération. Alors le développement, ce sont les gens qui font les applications.
Puis opération, ce sont les gens qui vont gérer les serveurs, la sécurité, tout ça, qui vont les déployer. Puis il y avait toujours ce même problème, c'est que les gens développaient les applications, mais ne parlaient pas tellement aux gens qui faisaient la gestion des serveurs, ni qui parlaient à la gestion de la sécurité, ni le support, et sans parler ce qu'on appelle les objectifs business, donc des gens qui, eux, essayent de vendre, puis de réduire le temps pour que tout se mette rapidement en place. Et donc là, ils ont créé une philosophie qui s'appelle la philosophie DevOps, où on demande à un architecte au départ d'être capable aussi de faire un peu de programmation, où on demande à un programmeur de faire un peu le travail d'un business analyst, ou de comprendre un peu comment fonctionne le serveur, pour être capable aussi d'aider si jamais il y a des crunchs. Donc on remarque que dans toutes les grosses entreprises aujourd'hui, puisqu'on vit tous des moments d'entonnoir, où on est tous pressés, c'est qu'une manière de s'en sortir, c'est d'amener tout le monde à avoir un petit peu les compétences de tout le monde, mais toujours d'avoir une expertise quand même assez forte dans un domaine. Et c'est comme ça que l'entraide peut arriver et que l'idée du format en T survient. Donc c'est vraiment une réalité qui apparaît de plus en plus dans le monde de l'entreprise et qui va probablement toucher aussi d'autres organismes à court ou moyen terme. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Oui, il nous Et reste si vous encore avez d'autres questions. quelques temps si le cœur vous en dit et je n'ai vous pas. Moi, je remarque le commentaire ici qui dit intéressant, réfléchir à nos compétences au présent afin de les maximiser pour le futur. Oui, c'est idéal, mais je me demande jusqu'à quel point on peut vraiment maximiser ça pour le futur quand on considère l'évolution hyper rapide de la technologie, des outils, de ce qui nous arrive. On nous annonce très prochainement que les fils vont disparaître, tout va passer par Bluetooth ou des connexions sans fil. On est en train de changer pour s'en aller vers quelque chose qui est complètement différent. Donc, on peut se demander, évidemment, on aimerait ça pouvoir maximiser, mais jusqu'à quel point cet aspect-là, qui fait partie de notre métier finalement, ne vient pas nous interpeller constamment tout au long de notre travail. C'est sûr que c'est le sentiment qui va, c'est le sentiment initial, le vertige au départ en disant, je n'ai pas envie de dire à quoi bon là, mais bon, c'est sûr qu'on a cette idée-là. Puis je vois le message de Marcel, là, je regarderai juste après. Ce que j'ai envie de dire, c'est que ma vision, et autant aussi en tant que chargé de cours, ce que j'ai enseigné un cours sur les compétences numériques, c'est qu'aujourd'hui, le développement professionnel est au cœur de nos sociétés, et qui fait partie prenante de tout. Donc après, c'est sûr que la question va se poser, comment est-ce que les organisations mettent en place le développement professionnel? On s'entend que d'un côté, on s'attend à ce que les personnes fassent du développement professionnel d'elles-mêmes, on aimerait bien que les entreprises le promeuvent et créent ce qu'on appelle des cultures apprenantes au sein des entreprises, parce qu'elles remarquent bien qu'à un moment donné, au niveau de la gestion des compétences, on se retrouve avec des employés ou des personnes qui ne sont plus tout à fait à jour, et puis à ce moment-là, ça crée d'autres dysfonctionnements au sein des organisations, qui à un moment donné ont attendu tellement longtemps que l'on se retrouve avec un grand changement à produire qui paraît c'est comme tellement lourd qu'on parfois ça peut être très difficile à mettre en place. Donc on est vraiment dans de l'amélioration continue au niveau de la formation de nos propres compétences. Et donc je pense qu'il faut juste commencer quelque part, définir en fonction de sa réalité c'est quoi exactement qu'on a un peu plus besoin, ou c'est quoi avec lequel on a aussi envie, parce qu'il y a une notion aussi de vouloir qu'est-ce qu'on veut développer en plus, et puis de se donner le temps, parce qu'il y a beaucoup de formations existantes aujourd'hui avec lesquelles on peut se suivre, se donner le temps, puis accepter aussi l'idée peut-être qu'on doit se former en continu, et que toutes les semaines, il doit minimum y avoir peut-être 1 heure à 2 heures de formation. Et puis la grande question va être, est-ce que c'est sur mon temps propre, est-ce que c'est mon patron ou mon entreprise, ou si je suis indépendant, travailleur autonome, est-ce que je prends le temps de le faire? Mais à un moment donné, si on ne le fait pas, et si on ne commence pas quelque part, on continue à accumuler. Donc je pense qu'après, les technologies, elles évoluent, oui, mais reste que tout ce que j'ai dit aujourd'hui, ce n'est pas nouveau.
Et je pense que ça existe au moins depuis une dizaine d'années. C'est juste qu'on le vit de plus en plus, de manière de plus en plus forte, parce que c'est sûr que ça, y a la pression augmente, on va dire, au niveau des technologies, mais aussi des usages, des transformations, donc des prises de conscience dans les entreprises aussi par rapport à ça. Alors, je pense qu'il faut juste commencer quelque part, puis pas trop mettre trop de stress, et puis aller comme ça. C'est un peu, c'est comme le. Et puis je ne suis pas un bon exemple pour ça, par contre, mais c'est un peu comme le sport. J'entends encore la radio ce matin qui disait une demi-heure tous les jours. Et vous avez diminué beaucoup de problèmes de santé. Mais la formation, c'est probablement la même chose. Vous allez sur même si on fait un tout petit peu de formation tous les jours, mais bon, après, il faut le faire. Là. Par rapport à la question de Marseille, juste remonter un petit peu ce que ça a descendu. Ce que ça a Je voudrais répondre descendu. assez vite parce qu'on arrive à la Ah, pardon, oui, alors fin, je me fin de dépêche. cette Alors, première partie. le. Ah, pardon. Existe-t-il des outils pour nous aider à estimer le temps? On l'a dit. Pour le lien Chapman, ça a été donné. Un peu plus. J'aimerais bien avoir les informations sur la formation à être offerte au Canada. Alors vous pourrez peut-être contacter Carole et pouvoir vous donner mon courriel. Sinon, mon courriel se trouve sur le site de la CCP, parce que j'ai l'honneur d'être aussi membre de l'association. Existe-t-il des outils pour mieux? Ça va. Marcel, je ne retrouve plus ton message. Mais sinon, Marcel, tu peux m'envoyer ton message et puis je te répondrai par courriel, parce que je ne le trouve plus dans le chat. Je pense que son dernier message, c'était en quoi la longueur de la formation impacte sur le design, formation longue durée et méthode plus traditionnelle, formation de courte durée ou formation continue et méthode agile. Mythe, point d'interrogation. La longueur, c'est l'envergure. C'est principalement ça, c'est qu'au plus vous faites des formations longues, au plus on va avoir tendance à mettre beaucoup de contenu, à avoir des boutons suivants, et puis à avoir des choses qui sont plus orientées sur le contenu, moins sur le développement de compétences, moins sur l'expérience, tout ça. Donc parfois, la longueur de la formation est alourdie. Et aussi, bon, il y a toutes des tendances de granularité, de micro-learning. On appelle les pilules de formation qui font qu'aujourd'hui on est dans une idée un peu d'approche Netflix, pick and choose. Je viens, je me forme, je prends ce que j'ai besoin, je reviens quand je veux. Donc, la modalité de consommation de la formation aujourd'hui qui touche les scénarios font que quand on a des longues formations, c'est sûr que là, ça va falloir questionner le besoin du client et voir comment est-ce qu'on peut granulariser ça pour répondre à des besoins précis et pas juste aller avec un gros bateau en disant, ben voilà, il va faire. Va suivre les 5 modules de formation, puis il aura le certificat, puis finalement, qu'est-ce qu'il aura retenu par rapport à ça, qu'est-ce qu'il aura appris, c'est quoi l'expérience qu'on lui aura offerte. Donc la longueur, ben, c'est sûr qu'elle impacte sur la conception d'elle-même, parce qu'on va granulariser, avoir des plus petites unités, elle va impacter sur le design lui-même, parce qu'il y a plus de contenu en termes de pédagogie visuelle à produire. Au niveau de l'agilité, c'est surtout au départ. Donc voilà. Merci beaucoup. J'espère qu'en tout cas Merci ça aura été utile infiniment à tout le pour monde. votre J'espère qu'en tout cas ça aura été utile à tout le monde et que ça vous aura apporté des éléments de réflexion. Puis un grand merci Carole ça vous aura apporté des éléments de pour la tribune. réflexion. Puis un grand merci Carole pour la tribune. Parfait. Alors, on poursuit en espérant que Madame Lee nous entend. Could you hear me, Leslie? Okay, but we cannot hear you though. You have to open your microphone. Okay, I just give you access to the microphone. Could you speak? Could you try to speak? Now you have the microphone on. Okay, can you? Okay, can you? Yes, could you just speak a little louder? Is that okay? That will be perfect. Is that okay? Yeah, it's perfect. So okay. Just give me one okay. moment. I will do the presentation and then I will let you have the microphone in 1 second. You'll load my PowerPoint? Donc, Madame Lee travaille depuis plus de 40 ans dans le domaine de l'enseignement et de l'apprentissage des mathématiques. Au cours de sa carrière, elle a été chargée de cours à l'Université Acadia en Nouvelle-Écosse. Elle a enseigné et fait de la recherche au niveau universitaire et collégial au Québec. Elle a été consultante en mathématiques dans la région du Pacifique ainsi que dans la région autonome musulmane de Mindanao, Philippines. Elle a œuvré auprès d'élèves, d'enseignants. Il y a un écho.
que je tente de contrôler ici. Okay, ça devrait aller. Excusez donc. Elle a ouvert auprès d'élèves, d'enseignants, d'administrateurs scolaires au niveau local et national pour concevoir des programmes et du matériel didactique destiné à des cultures très variées. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Madame Lee. So go ahead, Leslie. I give you the microphone now, and I will put the PowerPoint on the screen. Okay. Okay. There. Thank you, Carol. When I began teaching mathematics in the early 70s in a Quebec college, I lectured from a podium. With my notes before me, a piece of chalk in hand, and a blackboard behind me, as my teachers had done before me. I felt confident all was going well when I gave my first midterm exam. I was devastated by the results. How could my students have learned so little in spite of my carefully prepared lectures and my very best handwriting on the blackboard? Maybe I needed to find out how people learn. So began an exciting exploration of the teaching and learning of mathematics that has taken me across the decades and around the world. The timing was perfect. The timing was perfect in the sense that many people in my field were asking themselves the same question in the early 70s. An explosion of research, publications, and associations in math education occurred almost overnight and around the world. Publications such as the Canadian for the Learning of Mathematics, Educational Studies in Mathematics, Journal for Research in Mathematics, and many, many more. Associations such as the Canadian Mathematics Education Study Group, the International Conference on Mathematics, the Psychology of Mathematics Education, PME, the latter holding both regional and international meetings. Much of the research at that time, my own included, tried to explore that black box inside our heads. How the mind works. While Steven Pinker, in his book of that title, explored the question more widely, my research focused on how the mind does mathematics, although we were certainly very influenced by developments in the wider research question. Through analysis of hundreds of clinical interviews where students of all ages solved math problems, we gained some insight into the mathematical problem-solving process, the blockages and leaps of thought, the emotional intensity, and the incredible variety of strategies employed. This work left me in awe of the human brain, and also with the conviction that everyone is born to mathematize, at least to the doctoral level. Today, with access to brain scans, research is bounding ahead with discoveries on the nature of the human brain. For example, in the research on autism, they have discovered an abnormal pathway in the brain they call the mesolimbic reward pathway. Reward, because there is no reward in social interaction for autistic people. Many now believe that brain scans are the only sure diagnostic tool for autism. Does this mean that all social therapy programs are useless?
In the case of autism, for example, is it worth working with autistic children to change their behavior? We know that these programs aren't useless. It seems that by modifying behavior, we can modify mind. This is often referred to as the plasticity of mind. This reminds us, in case we've forgotten, that minds are situated in bodies. I love this photo because you can feel the energy of these marvelous children who welcomed us to their school in Mindanao. That's in the south of the Philippines. I hope it makes you smile too. Much has been written and continues to be published about the mind-body interplay. Learning is no longer seen as a mind event. Rather, we learn with our whole body. This is fascinating stuff. Let me give one example. In an experiment by Held and Hein, kittens were raised in the dark for a few weeks. Half the kittens were carried around in carts pulled by the other half. Then they were released from either pulling or being pulled. When the animals were released after a few weeks of this treatment, the first group of kittens behaved normally. But those who had been carried around behaved as if they were blind. They bumped into objects and fell over edges. Now, this study was quoted in a book by Varela Thompson and Roche, The Embodied Mind. And their comment on it was, this beautiful study supports the inactive view that objects are not seen by visual guidance of action, by visual extraction of features, but rather by visual guidance of action. The kittens all viewed the same environment, but those that sat passively in the carts and did not get to interact with their environment, We don't have to think about kittens. There's an echo here, Carol. We don't have to think about kittens. Think of how a baby learns. Okay, we still got an echo. Yeah. Carol, can you hear me? Yes, there is an echo that has just begun, and I don't. Okay, let's try it again. Okay, I'll try. We don't have to think about kittens. Think of how a baby learns through sensory motor interaction. Although a newborn's eyes are open, we say that she can't see yet. We are all tactile learners. In fact, we used to say that if an old person has had a fall, it greatly reduces mobility. There's a high chance they will die within the year. We know that reduced mobility leads to a fairly rapid deterioration of mental health.
you know, the bodily deterioration, the lack of mobility affects the mind, much like the kittens in the carts were affected. Here I've done a sort of Venn diagram. You've got the mind in the dark blue on the left, and then mind in body, which is the embodied mind, and then this body is within a culture, which is the encultured mind, or the encultured body. The fact that we are very social creatures means that our learning takes place in specific communities and cultures, and these in turn have a great influence on our learning. This is a high school classroom in American Samoa. We can see the obvious differences with the classroom in our respective Canadian communities, but the profound differences that require a totally different instruction lie in the nature of that community, its beliefs, its attitudes, its values, its valued metaphors, stories. This is a photo of a posted piece of work in the same place, American Samoa. It's in a primary school classroom, but it could have been on any island in the Pacific, I would say. Notice the heading, health. So it's something a child has produced in the subject health, and underneath good thinking. And you see there, God first. Others next. Me last. I think if you reflect on that, you'll have a pretty good idea of the adjustment that needs to be made in terms of instructional design, even, to accommodate what is almost the reversal of what a child might produce in the North American context. There is there's a societal culture, but there's as well a disciplinary culture. In designing instruction for children in Micronesia, for example, we have to start with the indigenous measuring system that uses parts of the body. We in fact built a traditional house with the help of a Suiyan, who is a traditional builder, made a video and a storybook of that experience, and designed 10 math lessons based on it. Only then could we connect the experience, the cultural experience, with the standard measuring systems used in the rest of the world. To impose immediately the standard measuring systems, and many had tried, resulted in failure. As instructional designers, our job is to build a learning community within a wide variety of cultures, even within our Canadian cities and towns. There are many different cultures, often within a single classroom. We have come a long way in our knowledge of how humans learn. Communication does not happen by direct transfer of knowledge between two minds. Communication is embodied and encultured. We have come a long way from chalk and talk, or have we?
When I look into classrooms today, I often see whiteboards have replaced the black and green, or more often computer screens or PowerPoint presentations are projected on a large screen. And the teacher has become a sort of voiceover. Students are looking at the screen and not the teacher. When I started out doing chalk and talk, the students at least saw me draw that parabola on the board. Now the parabola appears all of a piece, thanks to a piece of software, possibly Excel. There is no bodily movement involved. There is little two-way communication. Students might ask questions, but usually the screen has gone by before they can formulate a question. And a raised hand might easily be missed in the semi-dark. And that screen ignores totally the students and their beliefs, values, attitudes, and so on. One student I met called his college experience death by PowerPoint. I think in our enthusiasm over technological classroom tools, we should ask ourselves some serious questions. Is it possible we like them because they keep us on topic? They help with the timing? They help us keep control? Do students need to spend more time looking at a screen than they already do? Are we pulling our students around in carts? So let's turn this PowerPoint off and try to communicate through a discussion. Thank you. Thank you, Leslie. Now, if someone want to ask question, you have to, pardon tout le monde, je dois parler en français, il y a de l'interprétation. Pour poser des questions, utiliser le clavardage. On va donner un petit peu le temps aux personnes de formuler des commentaires, des questions. So Leslie, at the moment we are waiting for people to write comments or question. So there's we have few times left. Oh, here's one. How does the concept of embodied mind modify your experience in teaching designing? Oh. Well, in teaching designing, then, I mean, I mentioned something in terms of drawing the parabola. In teaching designing, we have to have the idea that the body needs to interact with the subject matter. When I talk about embodied minds or embodied cognitions, the theory that many features of cognition, whether human or otherwise, are shaped by aspects of the entire body of the organism. And when I say the entire body of the organism, I mean the motor system, the perceptual system, the bodily interactions with the environment, the assumptions about the world built into the structure of the organism. In other words, aspects of the body beyond the brain itself. And I think the part that is important to me is the part of bodily interactions with the environment. When I, as a teacher, draw that parabola on the board, I am moving my body, and the learners, in seeing me move my body, learn by imitation. They learn the gesture,
of drawing a parabola. And the other important thing is to give time for the students to do that themselves. I don't think you can learn any subject without participating in it and participating in the motion, the bodily motion of that. When I am sitting watching a PowerPoint, I am not moving at all. I'm like those kittens in the cart. And I think that, we have to integrate the bodily response. You know, you can put a, well, the easiest is a circle to think of. You can put a circle on the board or on a PowerPoint slide or something, that a ready-made circle, the students will not have the bodily feeling of a circle. They need to draw one themselves. They need to have a compass or use a string and a pencil or something, but the nature of the circle is embodied, if you like, when the body gets to interact with it. Okay, I'll take another question. And is there another question, or should I just? Don't is there another question, or should I just? Whoops. There's at the moment there is no whoops. No other question right now. Okay. I was just about to. Okay. Invite people to do some, write some comments. We still have quite some time. Or if you want to go ahead, just continue. Or maybe explore something that you would like to, didn't have time to do in the presentation. Well, I could just add that I see teaching as an act of generosity. In generosity, you forget your individual self. You must use your craft, no matter what you're teaching, to pass on energy and animation and involvement. And this comes from my reading of Faye Weldon's book, Letters to Alice. And I see perhaps the use of, I'm tackling PowerPoint today because I've heard so many students say that they sit through 15 hours of PowerPoint a week at university. But the ubiquitous use of PowerPoint is an entirely selfish act, as was the chalk and talk that we did back in the beginning. The instructor is thinking only of his or her own performance. No thought is given, or very little thought is given to the learners. There's a question here, or a comment, I would say, from Emmanuel. I agree totally, but with this in mind, how can we make sure our classes are accessible to all the atypical, of which I feel I'm part of, the atypical people facing disabling situations? Okay. Well, as a teacher or instructor, we have the job of building a community, a learning community with whoever we're working with. And that's part of the job. It's not just transmitting knowledge, as we say, but picking up on the variety of students and working with them, connecting students to other students. That's very important.
And I agree, particularly in city classrooms, a city like Montreal in some areas, you have so many different ethnicities, so many different disabling, if you like, situations. And yet, somehow, you have to be able to, and connecting them, students in teamwork, in thinking through problems together, anything that allows them to come together as a learning community, and that's the job of a teacher, beginning of every school term or year, is to create this learning community with their students. So yeah, we do have a few more time to question. On a, il reste encore suffisamment de temps pour des questions, des commentaires. Ces éléments-là, je pourrais vous demander à tout le monde, est-ce que ça vous interpelle, est-ce que ça vous vous les voyez dans vos pratiques? Est-ce qu'il y a une connexion avec ce que vous avez expérimenté déjà? On pourrait partir de ce genre de discussion-là. C'est toujours intéressant de nous remettre dans une autre perspective. while people will think about... we have a question here. What's the relationship between on-site teacher who do teaching job and instructional design in the future? Could I have that again? What's the relation between the on-site? You can read it in the chat if you want, but I will repeat it. On-site teacher. What's the relationship between on-site teacher who do teaching job and instructional design in the future? We have all the tools at this point to go into the future with instructional design. On site, of course, is by far the easiest because that the teacher, the designer, is able to take into account the culture of the classroom, the culture of the discipline, and so on. I think in the future, what we need to do is to integrate more of our understandings, what we've learned in the past how many decades about how students learn. It's the off-site, this kind of learning online that is more complex. And I think Olivier did a wonderful job of talking about some of the developments in that. The education at a distance is going to be the biggest challenge, I think, in order to not just have people watch a movie, but to create a classroom. Now, I have done some distance education with another program, but the distance education was done with people I knew, people I had worked with in the past. And we did, when I was working in Hawaii, we did a program offering master's and doctoral programs to people throughout the Pacific, all on isolated little islands. And we did that online, but we brought them together twice a year for
intensive working together sessions. We grouped them on different islands. And sorry, my computer just decided to close. So that's, and I don't know how I would do it if it was, if I didn't know, if I couldn't see the people, know their reactions. So I think in the future for online stuff, it's going to have to be find some way of interacting, seeing each other, or at least, you know, people's faces. And getting more of a situation where people feel connected to each other in the group and know each other. Thank you very much. Here we have another question from Karin. Thank you for putting the fundamentals of learning back to the table. Do you have tips and tricks to remember or not to focus only on transmission at all costs only? We are so Cartesian. Yes, well, I mean, new teachers, as I was way back in time, new teachers are focused on transmission or just getting it out. And hopefully, as you develop, you start to pick up on the students and our Cartesianness is—it's been a problem for me because being a mathematician. But it's sort of there's no right or wrong way. A community is not a transmission. Like there's not one person telling the truth. Students learn so much from each other, and. You know, doing any group work, you just see it. Like, we are all mimics. We're all imitators. And we imitate each other's bodies, voices, everything. And we learn a lot this way. So that group idea, instead of the idea of somebody putting on a performance as the instructor, and then there's an audience out there that grasp what they get, grasp. Each person says what he says or hears what he hears. The phenomenon of communication depends not on what is transmitted, but on what happens to the person who receives it. And this is a very different matter from transmitting information. So that comes from Maturana and Varela, their book, The Tree of Knowledge. Well, thank you very much, Leslie. And we are close to the end, so we still have time. But before people begin to leave, so before before the end, I would just like to say the few words, and then I'm gonna be back in French. Donc l'atelier maintenant touche à sa fin. Alors, je vais prendre quelques minutes pour remercier chaleureusement M. Alfieri et Mme Lee pour leur participation. Je voudrais rappeler à tout le monde que l'enregistrement de cet atelier va être disponible dans quelques heures. Si vous avez des difficultés, communiquez avec nous, mais en principe, vous pouvez utiliser les mêmes accès.
Je remercie tout le monde de votre participation aujourd'hui et je vous souhaite une excellente journée. Notre prochain atelier va avoir lieu au mois de février. Il nous reste quelques précisions à régler pour donner les détails, mais ça s'en vient, alors soyez attentive aux messages que vous allez recevoir ou visitez notre site web pour avoir les informations. D'ici là, si vous avez des idées, si ça vous tenterait de faire une présentation ou une classe de maître, n'hésitez pas à communiquer avec nous. On est toujours ouvert à des nouvelles idées, des propositions intéressantes. Thank you again, Leslie. We still have a few times. If there's somebody who needs to have other questions, go ahead. We do have some time. And if not, well, thank you very much. And again, it was great to listen to that presentation. I have a question here. Emmanuel asked, do you make your content available before the classes? This is a question to me, I suppose. Yep. Okay. We got the echo again. Okay. I tend to engage students in whatever activity we are doing and then tell them not to take notes and then give them notes after the class so that, you know, they have a little security blanket. But I find with students taking notes during a presentation, they're not involved, they're not. I like them to talk to each other. I like them to be active. And I have seen in PowerPoint classrooms, people just sitting there typing everything they hear into their computer and taking their notes that way. And of course, it's totally useless. And they have not participated, just sort of, it's like a dictation. And that turns out to not be very helpful either. So I tend to try not to have people engaged in what they're doing and not take notes during class. Well, puisque Emmanuel, je pense que tu es francophone, non? Okay. Emmanuel said that she was asking to both of us, but I am assuming it was to me as well. And I will answer in French very shortly. Sorry. Donc, je voulais seulement dire à Emmanuel que en ce qui me concerne, c'est pas tout à fait la même chose. Puisque je travaille essentiellement sur des cours en ligne autoportés. Donc, tout le contenu est déjà à l'écran lorsque le cours commence et l'étudiant peut parcourir l'ensemble du contenu dès le départ. Donc, ce n'est pas tout à fait le même contexte que Madame Lee au niveau de l'enseignement. C'est donc difficilement comparable.
So this, we are now up to the end of the workshop. Again, thank you very much, everybody. And again, the recording will be available soon, in a few hours, and you will be able to go back there. The interpretation is recorded as well. So if you need it, just you have to contact me and I will make it available for you as well. So thank you again, and I hope everybody has a great day, and it was really wonderful to hear what Leslie had to say. Thank you again, and goodbye. Leslie, Emmanuel just write a note here. She say, if it's possible to contact Leslie, I'd like to continue the discussion in some way. So not necessarily today though. So you'll let me know, and I can put all together, put you both in contact if you would like to. Juste pour ton information, Emmanuel, je vais communiquer avec Madame Lee aujourd'hui par courriel. Je pense qu'elle n'a plus le son présentement, donc je vais faire suite à ta demande. Je vais donner suite à ta demande d'ici peu. Bonne journée.